Et alors, monsieur Claquemouf, on me le montre, ces boudins sacrés? Mais je peux vous montrer l'étui. Non, nous voulons les gout-gousses. Gout-gousses. Si vous êtes vraiment l'envoyé du grand babou. Mais je suis l'envoyé du babu, béa-babé-hubu. Alors montrez-nous les boudins. Je refuse. C'est bon. Tricotopoulos, bon. Ouvre des forces, l'étui. Bien, capitaine. Oh non, ne me touchez pas, hein. Ne me touchez pas, allez, pas bouger, pas bouger. Mais je vais lui flotter. Oh, patron, il me pince le nez. Au secours, patron, maman. Laisse ouvrir l'étui. Donne-lui l'étui, grognache. Donnez. Oh là 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 là, j'ai jamais tant souffert pour un boudin. Donne, Tricotopoulos. Voilà, capitaine. Regardez tous. Gougou. Mais non, pas gout-gousse. L'étui est vide. Regardez, pas gout-gousse. Pas gout-gousse. Mais ça ne veut rien dire. On me l'a volé. Je suis quand même l'envoyé du grand babu. Babu, babu. Mais non, chien, pas babu. Il n'a pas les boudins, pas babu. Pas babu, pas babu. Eh ben, en tout cas, ils sont pas contrariants, ces gars-là. Allez, qu'on jette ces deux imposteurs au fer. Capitaine Jagadiz, vous regretterez votre attitude. Vous allez d'abord regretter la vôtre. Je le descends, patron. Non, grognache, mais j'aurai ma revanche. Oh. Un de ces jours, capitaine, je vous ferai manger votre casquette. Pour l'instant, Vous allez ronger votre frein. Vous allez ronger. Assez. Assez. Pivolo. Ouais. Qu'on délivre immédiatement les jeunes prisonniers. Bien, capitaine. Les deux autres à sa place, allez, ouste. Capitaine Jagadiz, vous mangerez votre casquette. Oui, mon ami, c'est ça, entendu. Tiens. Mais c'est notre cher Claquemuf. C'est notre bon grougnache. Ouais, ben ça va, toi, ça va, c'est pas le moment de plaisanter. Au contraire, mes excellents amis, c'est l'instant moral entre tous. Les bons triomphent et les mauvais sont enchaînés. Tout est bien. Bien joué, monsieur Théo. Vous avez eu raison de me signaler que ce type n'avait pas les boudins sacrés. Mais personne n'a plus les boudins sacrés. Il a coulé avec le sous-marin le cafteur. Ah ah, quelle erreur, cher Claquemuf. Décidément, vous êtes en perte de vitesse ces temps-ci. Mais alors, où est-il, ces gout-gousses? Faites donc ouvrir la trappe de la soute. La trappe de la soute? Oui, croyez-moi. Pivolo! Trappe, soute, ouverture, vite! Bien, capitaine! Voilà. Regardez tous à présent! Regardez! Regardez! Voici le coup de gousse! Oh, les gout-gousses! Malédiction, cette astie! Et Black, patron! Et White! Et Maurice, la grammaire! Je crois que vous avez perdu, monsieur Claquemouf! Je vous ferai manger votre casquette, capitaine Jagadiz! Allez, emmenez-les! Laissez-moi! Soyez les bienvenus à mon bord, noble étranger, porteur du gout-gousse tout puissant. Vite, pour commencer, ça sera un piatto de spaghetti. Pourquoi? Les pilules, c'est basta pour aujourd'hui. Et pour White et pour moi, deux whisky bien tassés. Et pour moi, capitaine, un simple renseignement, où sommes-nous en ce moment? Et dans les golfes du Bengale, excellence. Nous faisons route vers Port Jaboun. Oh, Jaboun, parfait. Théo, mon cher, il faut faire prévenir Fouvre d'urgence. Oui, appelons Carole par radio sur 28m02. Vous avez la radio, capitaine? Là, je crois que... Mais Christ, vous l'avez ou vous l'avez pas? Oui, mais les postes ne servent jamais, alors évidemment... Bon, où est-il? Je vais y jeter un coup d'œil. Mais on l'a fichu dans la cuisine. Pivolo! Oui? Emmène, monsieur Théo. Bien, capitaine. Qu'est-ce que c'est, capitaine Jagadiz? La vigie, la terre est en vous. Nous arrivons à Port Jaboun. Stoppez les machines! Mettez en panne! Mais en panne pourquoi? Voyons, on n'entre pas tout de suite à Port Jaboun. Impossible, il faut attendre la prochaine marée. Autrement, on s'échouerait. Ah, c'est juste, oui. Et c'est dans combien de temps la prochaine marée? Dans 6 heures. Dans 6 heures. Mes amis, dans 6 heures exactement, nous entrons à Port Jaboun. Et la victoire est à nous. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.